Coucou tout le monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui on est le jeudi 7 juillet au soir et je suis comment dire plus que ravie d'être de faire cet unboxing avec vous. Je suis trop contente. Ça a été super rapide en plus. Alors c'est quelque chose qui que vous avez probablement vu déjà sur YouTube puisque ça tourne depuis quelques mois déjà. Et moi, à ce moment-là, comment vous dire, ça ne m'intéressait pas plus que ça, même voire pas du tout. Mais depuis, vous le savez, si vous voyez les unboxings sur la chaîne et les vidéos, vous savez qu'en ce moment, je suis à 100% dans le point de croix. C'est une horreur, hein, je ne fais plus d'épée pour le moment. C'est point de croix, point de croix, point de croix. Donc, je me suis intéressée à cette collection qui est la collection Point de Croix Disney de chez Hachette. Donc, vous avez probablement vu des vidéos là-dessus, ça a pas mal tourné. Et ben moi, me voilà avec trois wagons de retard. En même temps, je vais pas acheter pour faire comme tout le monde, hein. Si j'ai acheté, c'est que ça me plaisait, forcément. Du coup, j'ai été sur leur site Hachette, hein, collection Point de Croix Disney. Et j'ai voulu en fait rattraper mon retard puisque j'avais zéro numéro. Et ce n'était pas possible, ils n'avaient que quatre numéros disponibles. Ou alors, vous pouviez vous abonner pour recevoir tous les mois un colis de quatre numéros, mais ça ne commençait qu'à partir du 12e. Donc, du 1er au 11, ben, j'avais rien, je n'avais pas du tout. Donc, j'ai trouvé un site qui faisait, comment ça s'appelle, les anciens numéros de Point de Croix. Ça s'appelle journaux.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il faut que j'y pense. Je vous mettrai ça en barre d'infos, le lien. Et en fait, vous les achetez au prix de vente, hein, qu'ils étaient. Vous les achetez pas plus cher. Ils sont exactement au prix. En ce moment, je crois que le premier numéro était à 99 centimes, je crois, un truc comme ça. Et les suivants sont à 5,99. Donc, vous payez ce prix-là. Par contre, bon, bah, moi, j'ai payé 10 euros de frais de port. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Au moins, j'ai mes premiers numéros. Et sur le site, il manquait quelques numéros. Il manquait, je crois, j'avais deux numéros qui étaient manquants. Et alors, gros coup de bol. Parce que les numéros manquants, je ne sais plus lesquels c'est. Si c'était le 2 et le 8, je crois. Et alors, gros coup de bol, je vais sur Vinted. Et une dame, très gentille d'ailleurs, une dame vendait le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 8. Sachant qu'il manquait le 2 et le 8 dans journaux.fr. Alors, comment vous dire? Gros coup de bol. Et cette dame-là, ben ouais, j'ai reçu le colis aujourd'hui. Et elle vendait ça donc au prix de, pas plus cher, au prix de vente des magazines. Et en plus, il y avait le classeur, parce qu'au bout de tant de numéros, quand vous êtes abonné, vous recevez le classeur. Et le classeur est à 7,99 et donc la dame le donnait gratuitement en fait. Hein. C'était le lot faisait en fait juste les trois magazines plus le classeur et le classeur était donné gratuitement. Donc c'était cool. Donc, je m'en sors bien dans l'affaire. Donc, j'ai rattrapé mon retard. J'ai du 1er au 11 avec le classeur. Et à compter du numéro 12, je me suis abonnée pour recevoir tous les mois le colis de 4 magazines au prix de, bah, du coup, je crois que c'est 23 euros à peu près. Voilà. Donc, vous savez toute la petite histoire. Donc là, on va découvrir ça ensemble. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont dû en voir sur les chaînes. Donc, si ça ne vous intéresse pas, bah, écoutez, voilà. Mais moi, j'avais trop envie de faire ça avec vous. De découvrir ça avec vous. Je suis trop trop contente. Donc on va voir ça ensemble. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai soif, je suis désolée. Alors, je suis désolée, je sais que ça se fait pas, mais j'ai soif. Donc vous n'allez pas la voir hein, la vidéo tout de suite puisque j'en ai d'autres à sortir avant. Je pense que celle-ci, elle va être pendant que je serai en vacances. Hein, comme je ne vais pas tourner de vidéo au mois d'août pendant que je serai en vacances. Je pense qu'elle sortira au courant août celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, c'est mon colis Vinted, vous voyez que je n'ai même pas ouvert. Et celui-ci, j'ai juste ouvert pour être sûre que j'avais les bons numéros. Donc il vient de journaux.fr. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop. Ok. Donc chez journaux.fr, j'avais demandé le 1, le 4, le 5, 6, 7, 9, 10 et 11. Ok, je les ai tous là. Et du coup, on va ouvrir en même temps celui de Vinted, voir dans quel état il est.
Alors, oui, c'est tout frais, hein. Je l'ai reçu aujourd'hui en point volé. Ça a été super vite parce que la dame me l'a envoyé avant, elle me l'a envoyé avant-hier et il est arrivé hier soir en point volé. Donc, rapido, ça c'est top. C'est super bien emballé. Alors, je vais essayer de ne pas déchirer quoi que ce soit, ça serait pas mal. Ça va être prêt. Parce que pour que je déchire un magazine, hein, ce serait ballot. Ah, donc là, on a le classeur. Et j'ai vu, ouais, sur le site qu'au bout de ton numéro, il vous envoyait d'autres classeurs. Mais moi, enfin, là, moi qui suis tombée dans le coin de croix, non, je me suis dit, rattrape ton retard. Et puis, ça, je pourrais faire. Ce petit truc, et en même temps je suis contente d'avoir du retard, comme ça je ne les ai pas sortis en même temps que tout le monde, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, le premier que je vois c'est un petit truc d'Ariel, donc ouais, je suis plutôt contente. En plus bah, je me suis pas tardée dessus sur YouTube quand c'est sorti, parce que bah, comme j'étais pas plus intéressée que ça par point de croix, je me suis pas attardée dessus, c'est une semi-découverte. Alors ok, ça c'est mon petit machin. Ok, alors, ça m'a l'air en super bon état. Alors, donc du coup, logiquement, sur mon petit cahier, j'avais le 2, le 3 et le 8 plus le classeur. Donc le 3, alors le 2, le 3, le 8 et le classeur. Ah bah écoutez, en plus, c'est sous blister. Alors ça, voilà. J'ai vraiment eu de la chance. Franchement, c'était le seul où il y avait les deux numéros qui manquaient dans mon site journaux.fr. Le classeur, à ce prix-là, enfin, j'ai vraiment eu du bol sur ce coup-là. Alors, je vais les ranger dans l'ordre. Oh, je suis trop contente. Ouh, alors là, moi, j'ai 11 numéros d'un coup. Plus le classeur. Donc, le classeur qui est super chouette. Donc je vais ranger tout ça avec vous en vidéo. Donc la vidéo va durer 3 plombes, n'est-ce pas? Après, voilà, si ça vous intéresse pas, hein, je ne vous en donnerai pas. Mais je me dis, ça permet de passer un petit moment ensemble. Hop. Voilà, c'est vraiment sous blister. Je sais pas pourquoi la dame les a vendu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Je découvre, hein, parce que je vous dis, moi je ne me suis pas tardée dessus sur YouTube. Donc le classeur, il a juste un petit pli, mais après je pense que c'est dans le transport aussi, mais c'est vraiment, c'est en très très bon état. Ok. Donc ouais, 7,99€, là il y a le prix. Non, c'est vraiment, vraiment en très bon état. Disney point de croix, j'adore. Ma petite sirène ici. Ouais, moi, ce que j'ai adoré en plus, c'est de pouvoir qu'ils nous mettent déjà la toile à faire avec les différents morceaux. Ça, j'adore. Étape par étape. Et en plus, bah, ils vous mettent des choses que vous pouvez faire. Ils vous donnent des patrons et tout. Enfin, moi, je trouve ça génial. J'adore. Et dans le classeur, il y avait quoi? Il y avait ceci. Alors, il est déjà perforé. Bibliothèque de motifs. Ok. J'espère que vous voyez bien. Bibliothèque de motifs. Projet Disney. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est ça? Touche finale. Pff, trop beau. Votre tableau Disney. Ah, c'est le fameux tableau à faire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Fameux tableau à faire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on commence par celui-ci. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Et cours et technique. Ah, ça c'est cool. Des petites astuces et tout. Moi, ça va m'intéresser. Ok, bon, bah écoutez. Déjà, voilà. On va déjà voir le premier ensemble. Oh, je suis trop contente. En plus, classé et tout ça, j'adore. J'espère que ça va vous plaire, cette vidéo. Alors, donc, notre number one. Le numéro 1. Disney point de croix. Tout est sous blister et tout, enfin, c'est top de chez top. Franchement, je suis trop contente. Alors, trouver ce site-là en plus, parce que j'ai cherché hein, pendant un petit bout de temps et 1€ celui-là, ouais, 0,99€, 1€ celui-là.
J'ai cherché un petit bout de temps et franchement, je n'ai pas trouvé tout de suite hein, le site journaux.fr. Donc, alors, dans celui-ci, on a. Alors, eh bien, on en a, hein, on a du papier. Ouais, la vidéo, je pense qu'elle va durer 3 heures. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment bien les longues vidéos. Alors, donc, ouais, ça va être pour s'abonner, mais moi, je l'ai fait directement sur le site. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a dedans, et ben, on a notre toile. Je vais voir comment elle est la toile. Je pense que c'est du 11 CT, vu la grandeur de des trous. Je vous aurais jamais dit ça il y a un mois, hein, la preuve que on s'y fait. Donc dedans on a des fils pour commencer notre projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. On a 5 aiguilles et notre fameuse toile. Ok. Notre premier tableau qui va faire tout ceci. La toile a fait combien elle? 18 et... Ouais, c'est du 36 par 36. C'est quoi? Ouais, c'est du 36 par 36 au niveau de la toile. Ok. Ouais, vu les trous, ça date du 11 CT, je pense. Ok. Bon, ça, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Parce que si je commence à... Ah, alors... Désolée, mais je range parce que j'ai peur de... Il faudra que je mette tous mes fils dans une petite boîte, je pense. Pour mélanger avec d'autres projets, parce que... Alors, dans ce premier numéro, qu'est-ce qu'on a? On a ça, les petits fascicules comme ça, là. C'est quoi? Point de croix. Ah oui, alors là, ils reprennent les différents tableaux qu'on va avoir à faire. Moi, j'adore celui des princesses. Celui des princesses. C'est lequel? Celui-là. Oh, il est trop chouette. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, on va commencer avec Tigrou. Il y a, comment il s'appelle, Bambi, là. Voilà. Il y a le chien des Dalmatiens. Il y a Belle et Clochard. Il y a Pinocchio, Winnie. Comment il s'appelle le lapin, là? Je ne me rappelle plus. Pampan. Mowgli avec, comment il s'appelle, le petit garçon? Ben, c'est Mowgli avec Balou. Et Dumbo. Ça va être le premier tableau. Votre collection. Excellent. Célébrer la magie de Disney grâce à ces magnifiques tableaux. Créer 5 merveilleux tableaux au point de croix avec les personnages classiques de Disney. Grâce à cette collection pleine de projets créatifs, simples ou élaborés, vous pourrez décorer votre maison ou bien gâter vos amis et vos proches. Enchantez votre quotidien avec les personnages de vos dessins animés préférés et laissez-vous emporter par la magie de Disney. Oh, j'adore. Donc voilà. Les tableaux qui seront à réaliser. Donc, je ne sais pas comment vous voyez, est-ce que je vais essayer de tourner la caméra après au montage. Donc, là, il y a celui avec la Reine des Neiges, là, les princesses, mon préféré. Là, il y a différents personnages, là, il y a Mickey et ses copains, et là aussi, différents personnages. À chaque nouveau numéro, vous trouvez le matériel nécessaire pour vos créations, plus de 60 couleurs d'échevettes à collectionner, 56 personnages à broder. Cool! Et sur le dernier tableau, enfin dernier, sur un des tableaux, vous avez du blanc là. Ils mettent ajouter une touche personnelle en signant et datant vos broderies. Ok. Donc dans chaque numéro, retrouvez des instructions pas à pas dans chacun des fascicules et réalisez ainsi vos projets de broderie avec succès. Inspirez-vous des nombreuses astuces et idées pour créer à votre tour des broderies en point de croix autour de l'univers Disney. Excellent. Projet Disney, de nombreuses idées créatives autour de la magie et des personnages classiques Disney pour décorer votre maison. Bravo Disney, ok. Numéro par numéro, collectionnez les merveilleux motifs imaginés pour vous et voler vos personnages. Cours et techniques, ça peut être sympa. Découvrez des tutoriels essentiels ainsi que de nombreuses astuces et lancez-vous dans le point de cran en un rien de temps. Pour les gens qui sont débutants comme moi, c'est plutôt pas mal. Les merveilleux objets, projets à réaliser et à offrir. Excellent, ça c'est top.
Ça y est, Ariel, c'est sûr, je vais le faire. Sûr. Là, il y a des trucs sur des t-shirts et tout. Ouais. Donnez vie à vos personnages Disney favoris grâce à cette merveilleuse collection. Ouais, c'est ça. Il y a Mickey et compagnie, Princesse Disney, Grand Classique Disney et bien d'autres encore. Ok. Et là, abonnez-vous à Disney.croix, recevez un numéro gratuit ainsi que 4 cadeaux fantastiques. Le kit du débutant. Ouais. Ben moi, je ne l'ai pas parce que du coup, je ne me suis pas abonnée dès le début. Alors, en cadeau, le classeur, donc c'est celui que j'ai eu dans Vinted. Les intercalaires, c'est pareil. Un sac en tissu. Et des cadeaux, les toiles imprimées à broder. Ah, ça peut être sympa. Mais je ne sais pas du coup si je les aurai, comme je ne suis pas abonnée dès le début. Et là, le numéro 2 est à 2,99 €. Ok. Très bien. Ça, c'est quoi? Offre spéciale pour les abonnés. Ok. Bah, ça, du coup, moi, je me suis mis sur le site. Donc, bah, c'est sûr que j'ai perdu un petit peu d'argent, disons, en ne m'abonnant pas tout de suite. Mais bon. Mais bon, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez ma fille en arrière-plan là. Mais bon, voilà, à ce moment-là, j'étais pas dedans. Je vais pas m'abonner si, pour faire comme les autres. Elle est trop bien, premium sur les 5 qui t'existent. On peut réaliser des broderies vintage avec seulement 1,50 € de plus par numéro. Ouais, en fait, c'est sans fin, quoi. Ok, bon. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Tac, je vais mettre. Oula, je vais mettre ça là. Sachant qu'il va y en avoir partout. Alors, le numéro. Ah, non, il y a encore un papier. Dans le numéro 1, il y a beaucoup de papier, du coup, comme c'est le premier numéro pour s'abonner et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Offre spéciale. Point de croix. Recevez gratuitement la boîte de rangement. Plus tous vos autres cadeaux. Recevez votre boîte de rangement adaptée à vos échevettes. Ah, ouais. Et moi, je vais pas l'avoir du coup, c'est dommage. Là, ouais, ben voilà, hein, c'est pour s'abonner. Ça. Ok. Et ça, je verrai ça plus tard. De toute façon, moi, ça va pas trop m'intéresser. Alors, nous voilà, notre premier. Ah, c'est cool. Donc là, commencez votre tableau avec Tigrou. Réaliser un motif Winnie. Alors, je vais pas ranger avec vous, je le rangerai toute seule, hein, mon classeur. Mais on va découvrir ensemble les. Oh, encore un papier. Tic-tic-tic, bon ben voilà, hein, ça redit la même chose. Alors, on y va donc. Broder un cadre de princesse. Commencez votre tableau avec Tigrou. Attends, toi, je vais te mettre ailleurs parce que là, j'ai pas de place. Voilà. Alors, point de croix, bienvenue. Bon, bah moi je lirai hein, de mon côté, bien sûr, parce que sinon ça va durer 40 ans la vidéo. Vous pourrez personnaliser ce quatrième tableau pour l'offrir. Ok. Donc, là il vous explique hein, au fil de la collection. Oh, il va être beau quand même, Mickey et ses copains là. Je sais pas si je peux pas vous agrandir dans ce sens-là, bah non. Donc, Tigrou, l'ami de Winnie l'ourson, Tigrou. Et le premier personnage du tableau que vous allez broder. Et ils disent de commencer par le centre, puisqu'il se trouve au centre. C'est quand même mieux. Ok. Donc là, on a le patron de Tigrou. Donc ça, c'est top. Et ils vous disent commencer par les extrémités, la patte gauche. Bon, après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Et vous finirez Tigrou et sa frise au prochain numéro. Ok. Donc là, ils vous disent le matériel, il y a le carré de toile Aïda, ok. Fil de coton, aiguille à broder, petit ciseau. Donc, point de croix, on va broder avec trois brins. Donc, c'est du 11, c'était. Hein. Ils disent quoi? Niveau de difficulté, 1 point. Point. Croix, ne mets pas. Bon, bah, je lirai tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous mettent là? Les petites affiches, projet Disney. Ah ouais, c'est un oreiller. Ok. Ah oui. Le projet Disney pour faire l'oreiller avec les patrons.
Mais ça, même si vous voulez le faire sur une toile individuellement, c'est ça que j'adore. Ça va faire plein d'idées après. Il y a des petites astuces là. Astuces, si vous le souhaitez, photocopiez ces diagrammes en les agrandissant à 200% pour en faciliter la lecture. Ouais, il donne des petits trucs, des petits conseils, c'est assez sympa. Confection du coussin, il y a 6 étapes. Ils vous disent comment faire. Ok. Oh, là, il y a un. Comment? Un. Ah, un marque-page, mini l'ourson. C'est très coloré. Je suppose qu'on a le patron. Ouais, c'est génial. Oh, comment je regrette pas? Je ne regrette absolument pas. Vous voyez, pour le marque-page, par exemple, là, vous avez le patron. Ils vous disent niveau de difficulté 2, point de croix. Alors, ils disent qu'il y a des points de croix en 2 brins, donc c'est du 14 CT, et point arrière en 1 brin. Ouais, c'est top. J'adore. Et ça, c'est quoi ce truc-là, là? Bibliothèque de motifs. Là, c'est pareil, c'est aussi un. C'est aussi un. Comment ça s'appelle? Un marque-page, je pense. Ouais. Alors là, il y a des affiches, c'est trop cool, elles sont trop belles. Sois courageux, sois gentil, fais-moi un câlin. Excellent. Des affiches comme ça. C'est tellement mieux à deux. Touche finale, alors ça c'est quoi? Aussi jolie qu'une princesse, ajouter une touche de magie avec ce cadre aux couleurs féeriques pour décorer une chambre de princesse. Réaliser un joli tableau d'affichage miniature. Bah oui, c'est enfin, oh, c'est magnifique ça. C'est trop beau. Princesse, là, il y a Ariel, il y a Belle au bois dormant. Je pense que c'est Belle, Cendrillon. Oh, j'adore. Bon, ça, je vois très bien ça dans la chambre de ma fille. Donc là, vous avez le petit patron. C'est trop cool, je suis trop contente. Ça va me donner plein d'idées. Cours et techniques, les bases, les notions indispensables pour commencer le point de croix. Ben, ça, c'est cool. Tableau de couleurs, les fils, il vous explique, hein, coton mouliné, hein, le diagramme. Ah, c'est top, pour les débutants, c'est vraiment très bien. Le matériel, la bonne aiguille, le tambour à broder. Ah, ça, j'adore le tambour à broder. Ah ouais, truc et astuce, les techniques de broderie. Diviser les brins, enfiler l'aiguille, commencer, finir un fil. Et finir un fil sans faire de nœud, excellent. J'aurais dû dès le début. Hein. Point de base, ouais, le point de croix, le point arrière, le quart de point. Ok, cool. Galerie de projet, des super réalisations à venir. Coussin à poids mini, une seule bouchée, ouais. Un petit tiret. Donc ça, c'est dans les prochains numéros. Et puis là, ils vous disent dans le numéro 2 ce qu'il y aura à faire. Ok, donc ça, c'est le one. Ouais, j'ai 23 minutes, hein, les gars. Alors, le numéro 2. Hop. Donc, le numéro 2. On a des fils. On a 4 échevettes. Ou échevettes, on va dire. Ok, je vais les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, on va terminer Tigrou avec le numéro 2. Lunchbox Blanche-Neige. Et réaliser d'autres motifs Tigrou. Ok. À moins de papier là déjà. Donc, Tigrou, complétez votre premier motif. Terminez de broder les rayures et les contours du sympathique Tigrou. Ok. Donc là, effectivement, on a par rapport au premier. Ouais, c'est ça. Ça complète le premier. Alors, commencer à broder. Ok, il sera terminé. Dans le prochain numéro, vous commencerez à broder Dumbo. Okay. Donc là, plutôt bon à manger. Ouais, c'est un non-box. Une seule bouchée. C'est trop beau. Les patrons. Niveau de difficulté 2. Point de croix, quart de point, point arrière. Ok. Alors, projet Disney, vive les pois. Ouais, c'est un oreiller aussi. Un coussin au look vintage.
Ouais. Mon niveau des motifs, ça c'est assez simple, hein. Là, c'est quoi? Customiser votre peau à crayon. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Toujours aussi original qu'en 1928. Ah, les vieilles affiches, la vintage. Tu seras mon Mickey et je serai ta Minnie. J'adore les petites. Franchement, il est sympa le. Il est vraiment sympa le magazine. Coucou Mickey, rien n'évoque davantage le monde Disney que le personnage emblématique de Mickey. Ok, c'est pour faire un tableau. Retour aux bases. Donc là, c'est les lettres, l'alphabet dans différents styles. Galerie de projets à venir. Ok. Donc là, le deuxième. Ça va, on va un peu plus vite. Le number 3. Qui me plaît particulièrement parce qu'on a Ariel. Alors là, on a deux échevêtes. Je ne sais pas si on dit écheveau ou échevette. Excusez-moi si je ne dis pas comme il faut. Alors, commencez à broder Dumbo. Ma petite Ariel. C'est trop beau ça. Ça, je vais le faire, c'est sûr. Alors, Dumbo. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Deuxième motif. Commencez à broder. N'oublie pas de diviser vos fils de façon à broder avec trois brins seulement. Ouais, ça sera mieux. Donc là, il y a quart de point et point de croix. Ok. Donc c'est ça qu'on va commencer. Oh, ça j'adore. Jetez-vous à l'eau. Ajoutez une touche de magie sous-marine à votre carnet de notes avec cette jolie couverture petite sirène. Oh, mon Dieu, comment qu'il est beau. Écris ton histoire. Ah, celui-là, je vais le faire, c'est sûr. Il n'y a même pas moyen, je vais le faire. Il est trop beau. Avec deux brins, point arrière. Alors, il y a du point de croix, demi-point et quart de point. Et moi, je crois que j'ai jamais fait de quart de point. Ouais. Du point arrière. Il est juste trop beau. 18 par 22. Si vous brodez sur une toile, j'adore. Ça, je vais sûrement le faire. Ça, c'est quoi? Un amour de chien personnalisé. Ce fanion. Ouais. Ok. Tout simplement adorable. Le motif Bambi à mettre sur un t-shirt. Ouais. Oh, l'affiche. Les sirènes sont drôles. Oh, elle est trop belle. Polochon. La petite sirène. Ah bah là, le numéro, c'est le numéro 3 ça? Le numéro 3 était fait pour moi. Hein. Trop beau. Faites un vœu sur cette jolie frise. Aladdin, Jasmine, le génie pratique la magie. Oh, excellent. Oh bah ça, moi, je pense que je vais les faire, ces trucs-là. Là, c'est sur le thème d'Aladdin, quoi. Oh ouais, c'est sûr. Alphabet aux lettres rondes. Ça, c'est plutôt pas mal. Galerie projet à venir. Ok. Le numéro 4. Je suis tellement contente. En plus, ça a été tellement vite. Oh, mais... oh, trop de bol de tomber sur les numéros qui me manquaient sur Vinted. Quoi. Enfin... 4. Ouais, d'accord. Point de croix. Alors, terminé Dumbo. Donc, Tigro, il en faut deux. Magazine. Et Dumbo, il en faut deux également. Pour le finir. Alors là, on a Dumbo. Ok. Comme c'est curieux. Là, c'est des cadres Alice. Au pays des merveilles. Ouais. Ok, les patrons, c'est top. À chaque fois, c'est trop trop bien. Collectionnez vos tableaux. Ayez des pensées positives. Sac à linge. Peter Pan. En fait, ils mettent sur un sac à linge, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre ailleurs. Confectionnez une jolie garniture de thé d'oreiller. Ouais. Ok, c'est trop beau les motifs là.
C'est l'heure de jouer. Ah là, on est dans le monde de Woody, Buzz et leurs amis. Excellent. Ah, c'est vraiment sympa les tableaux comme ça. Moi, j'adore. Donc là, on a encore des styles de lettres différentes. Ok. Le numéro 5. Donc, on a deux écheveux. Oh, j'aimerais bien savoir si on dit échevaux ou échevettes. Hein? Échevettes, on va dire. Chevaux, chevettes. On va dire échevettes. Commencez à broder Mowgli et Balou. Ok, donc ça va être notre troisième personnage. Réaliser un motif, la belle et la bête. Ah, ça peut être sympa, ça. Alors, Mowgli et Balou, commencez à broder le plus sympathique duo du livre de la jungle. Ouais, il est en bas à droite. Ok. Donc là, ouais, on en fait quand même pas mal hein, dessus. Tel cendrillon, ajoutez une pincée de magie à votre boîte à couture avec ce motif fantaisie. Allez, vous. Oh, la magie, ça prend un certain temps. Ah, c'est trop chouette. J'adore. Laissez parler votre côté sauvage. Invitez la nature chez vous avec ce coussin inspiré par Tigrou. Il est beau le coussin. Il est vachement beau. Ah, histoire éternelle avec ce joli motif redonner vie à l'histoire d'amour de la Belle et la Bête. C'est un marque-page. Il est super chouette. Il est trop trop beau. Histoire éternelle. Il est magnifique. Avec la fameuse rose sous cloche. Alors là, on a Madame Cendrillon. Sur le chemin de mes rêves. Excellent. Et donc là, on a un tableau Elsa, Anna, Olaf et Christophe. La Reine des Neiges. Il y a même des smileys là. Émoticône 2. Les galeries des projets à venir. Ok. Alors le 6. Ça va relativement vite en vrai. Ah, et là, sur le numéro 6, il y avait un sticker. Demandez dès aujourd'hui votre classeur à votre marchand de journaux. Ouais, donc on pouvait les avoir aussi chez le marchand de journaux, en fait, les classeurs. Je ne savais pas. Donc, on a deux machines. Alors, terminé, Mowgli et Balou. Donc, on est au 6, donc il en fallait deux également. Alors, siffler en travaillant. Vous avez envie de confectionner une tarte aux pommes. Tablier inspiré par Blanche-Neige est fait pour vous. Et ça, je crois qu'il faut du. Après, pour que ça colle bien, il faut un truc spécial. J'ai vu ça sur. Je l'ai vu sur Ali, je crois. Ce machin-là, il faudrait que je regarde. Je suis désolée, je vais reboire. Installez-vous confortablement, savourez une tasse de thé à poser sur cette jolie sous-tasse. L'heure du thé. Excellent. Ma tasse de thé. Vous êtes ma tasse de thé. Ah là, c'est sur une trousse. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah oui, ça y est, moi je suis partie dans Disney là. Je suis trop contente. Point de croix plus Disney, voilà. Ok, oh, elle est trop belle l'affiche. Blanche-Neige et les sept nains. C'est une super chouette idée d'avoir mis des affiches, je trouve. N'oublie pas, tu es celle qui peut remplir le monde de soleil, Blanche-Neige. Qu'est-ce que c'est beau. Un cadre jungle. Ah, c'est le roi lion. Simba et ses amis s'invitent sur ce motif inspiré du roi lion. Excellent. C'est trop trop bien. Donc encore des lettres. Ok. Le numéro 7. Ah, bon, on en a fait plus de la moitié. Hein. Donc, toujours deux fils différents. Alors.
là, on commence à broder pan-pan. Oula, vous avez mis un coup de pied. Restez avec moi. Voilà. Tout va bien. Ouais, là, on commence à broder pan-pan. Le sac Hakuna Matata. Alors, on commence le quatrième motif. Ce motif de poche inspiré du roi lion est brodé sur la taille Aïda noire. Ah ouais, ils l'ont mis sur une toile Aïda noire. J'ai encore jamais fait. Et Gara un sac à bandoulière tout simple. J'avoue que ça fait chouette. Alors, oh c'est trop beau. Ce tableau rond convient parfaitement à la petite chatte Marie des Aristochats. Oh, elle est trop beau. Oh, ils l'ont fait, elle est un peu violette la toile là. Elle est trop belle. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Sa balance, brodé le souverain des singes du livre de la jungle, roi Louis en personne. Ouais. Ils l'ont mis sur quoi? Sur un jean. Un motif sympa sur une chemise. Ouais, d'accord. Oh, l'affiche du roi lion. Simba. Le roi lion. Alors là, on a Nemo, excellent. On n'en parle pas assez de Nemo. Les amis de Nemo font la farandole pour animer cette toile. Excellent. Les lettres. Et on va avoir toute la panoplie des lettres. Alors, le numéro 8. Ah, ça va pas durer si longtemps que ça. Tac. Alors. Toujours deux couleurs. Le numéro 8. Donc, terminé de broder pan-pan. Donc là, toujours deux. Donc là, on aura fait Tigrou, Dumbo, Mowgli et Balou et pan-pan. On en aura eu 4 de fait sur 8. On aura eu 4 de fait en 8 numéros. Ok. Donc le petit pompon. Et là, voilà, wow, c'est chou. Oh, c'est trop magnifique. Les couleurs et tout. Oh non, mais c'est trop beau ça. Oh, je vais le faire ça. Suivez vos rêves. Voici une invitation au songe. Des fils métallisés et une toile Aïda Ferry Meadow y ajouteront une touche de magie. Ah ouais? Des fils métallisés? Oh, alors là, moi je suis une. Je suis une bique, hein. En... Un point de croix, je suis vraiment débutante. Des fils métallisés. Ah, c'est trop chouette. Pour un fini magique, vous pouvez broder quelques étoiles ou toutes avec un fil métallisé. Nous vous suggérons l'effet lumière DMC E168. Mais c'est trop bien, hein, les astuces qu'ils donnent. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Quelqu'un qui connaît rien comme moi. Ah ouais, c'est ça. Ils rajoutent les étoiles. Là, ils y sont pas, les étoiles. Elles y sont pas, hein. Là, elles y sont pas. Elles n'y sont pas. Ils les rajoutent. Ah oui, d'accord. Cool. Ouais, c'est chouette. Ok, voilà, je suis en train de m'extasier devant le truc. Moi, le tableau, là, il est juste magnifique. Alors, là, on a Dumbo. Des choses incroyables peuvent arriver. Viens voler avec moi. Prenez de la hauteur avec l'adorable Dumbo. Ce qui est cool, c'est que bah, il parle aussi des anciens dessins animés, quoi. Ce qu'on ne fait pas forcément, donc ça c'est top. Une affaire de lapin, donc un petit porte-clés. Avec Pompon. Donc là, on a Bambi. Elle est belle celle-là. Alors là, on a brodé une frise avec ce couple Disney légendaire, Donald et Daisy. Excellent. Des lettres. Le numéro 9. Ouais, mais moi, je vais avoir envie de recevoir mes autres, là. Hein. Donc, moi, je serai toujours en décalé hein, par rapport aux autres, puisque j'ai commencé mon abonnement au 12. Donc, je vais avoir le 12, 13, 14, 15. Là, courant... Fin juillet, je pense. Ouais, au courant juillet.
Alors qu'il y a déjà le 16, 17, 18, 19 qui est déjà sorti. Donc en fait, je vais avoir deux abonnements de différés par rapport aux autres. Donc, comme ça, hein. Ça, je ne suis pas comme tout le monde. Donc là, on a un beau jaune. Alors, commencez à broder Winnie. Notre cinquième personnage sur 8. Ah non, il y en a 9. Lucie, c'est vachement compté. Il y a 9 personnages. Donc là, c'est le cinquième sur. On commence le cinquième sur 9. Ok. Oh, c'est beau ça. Une carte de style scandinave. Mettant en scène, Winnie est un beau présent envoyé à un être cher à l'approche de Noël. Oh, c'est trop beau. Oh! Il faut deux couleurs, hein, ça va. C'est trop trop chouette. Tu es parfait tel que tu es. Ajouter une finition élégante en recouvrant le tambour à broder de tissu. Ah bon, en fait, il faut laisser le tambour à broder après. D'accord. Ce tableau rond plaira aux petits et aux grands. Ouais, c'est vrai que ça peut, on peut le laisser, mais bon, après, c'est au niveau de la vis et tout. Je trouve pas ça trop, trop chouette. Mickey et ses amis avec un marque-page. Applaudissez, clap, Donald. Mickey et ses amis, voilà, c'est vintage. Alors là, on a la Belle et le Clochard. Ont invité leur famille et leurs amis sur cette frise colorée. Encore les lettres. Ok. Allez, il ne reste plus que deux numéros. Après, je vais ranger de mon côté, moi. Mais j'ai trop pressé de recevoir mon colis tous les mois. Hein. Et alors, quand on va arriver au tableau des princesses, je vous raconte même pas. Alors, donc là, toujours deux couleurs. Terminé de broder Winnie. Ok, donc il nous en a fallu deux également. Ok. Et le prochain numéro, on commencera à broder Pinocchio. Pinocchio, il est où Pinocchio? Il est au-dessus. Ok. Waouh, le tableau de Blanche-Neige. Trop belle. Là, ils mettent à chaque fois les dimensions finales. Ah, c'est excellent. 13 par 18 cm. Si vous brodez sur une toile Aïda, 5,5 points par centimètre. Là, on a une étiquette de voyage attachée au bagage. Des boutons Winnie l'ourson. D'accord. Je sais pas qu'on pouvait broder des boutons. En fait, on peut tout broder, j'ai l'impression. Alors, les règles du pays imaginaire. Ne pas grandir, ne pas jouer avec les pirates. Croire aux fées. Petit Peter Pan. Et là, la frise, c'est Alice au pays des merveilles. Les frises, elles sont vraiment trop belles. Et enfin, le dernier. Donc, le numéro 11. Donc, toujours deux fils, deux couleurs de fils différents. Alors, commencez à broder Pinocchio. Qui est là. Pinocchio. Avec le prochain numéro, vous broderez la chemise, les gants et les cheveux de la marionnette. Ouais, ils disent pas qu'on va le finir. Du coup, ça se trouve, il faudra trois numéros. Je ne sais pas. Alors, ouais, c'est chouette ça. Cette jolie liseuse met en scène une des plus belles amoureuses de livres. Moi, ça m'intéresse carrément. Oh, c'est pour mettre vos liseuses dedans. Moi, j'ai une liseuse. Enfin, je l'adapte aux dimensions de la mienne. Ah oh, ouais, ça me dit carrément. Et ils disent, pour ce modèle, nous avons choisi une toile Aïda mauve clair. Ah, mais c'est trop bien. Hein. Trop bien, il y a plein d'astuces. Ma fille, elle est trop fan. Alors, vers l'infini.
Et l'au-delà, elle est une jolie plaque de porte. Excellent, elle est belle la plaque. Alors, de 6 millions chatons. Voilà, ils sont à broder sur un t-shirt. On a une affiche Mickey et Minnie. Mickey et Minnie Forment. 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 Ah, la fille. Forme un si joli couple. Et là, c'est Hercule et ses amis. Oh, je n'ai jamais vu Hercule. C'est pas un dessin animé qui m'attire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cher lecteur, nous vous remercions pour votre fidélité à la collection Disney Point de Croix. Malgré le soin que nous apporterons à la réalisation de cette collection, deux petites erreurs se sont glissées. L'une dans le fascicule 10, l'autre dans le 11. Fascicule 10, vous avez bien reçu une échevette de référence 51. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent? 10 et 11. Vous avez bien reçu une échevette de référence 51 et non 55 comme annoncé. Attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, dans le numéro 10, j'ai reçu. C'est où les numéros? 51 et 1. D'accord. Et là, ils disent, vous avez bien reçu une échevette de référence 51 et non 55 comme annoncé. Conservez cette échevette 51, elle va vous servir prochainement pour broder de nouveaux personnages. Une erreur, et dans le fascicule 11, une erreur de référence s'est glissée sur la fiche 11 comportant les indications pour broder Pinocchio. La référence 55 indiquée pour réaliser le visage de Brian est erronée. Ce n'est pas la référence 55 que vous devez utiliser ici, mais bien la référence 73 que vous avez déjà reçue avec le numéro 5. Ah, nous vous invitons donc à supprimer cette fiche erronée et à la remplacer par la fiche corrigée que vous avez fournie en supplément dans ce numéro. Ah oui, elle est là. D'accord. Ah bah ils ont. C'est cool. Nous vous pouvons nous excuser pour les coquilles. Ok. C'est bon, ils ont réparé leurs bêtises. Ouais, c'est ça, ils l'ont mis là. On n'aime pas en plus. Okay. Et voilà. Et donc dans le numéro 12, ce sera continuer à broder Pinocchio. Ouais, donc là, en fait. Pinocchio, il va pas se faire en deux numéros. Oh, une petite frise, la petite sirène. Dans le prochain numéro. Ah, on dit deux nouvelles échevettes avec un S, c'est pas chevaux. Échevettes. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Oh, vivement que je reçois. Pour vous dire. J'ai tout ça arrangé dans mon petit classeur. Vivement que je reçoive mes autres numéros là. Je suis trop pressée, moi. Ça y est, là, je suis dedans. En plus, bah, comme j'ai pris du retard, eh ben, je vais pouvoir broder pas mal de choses à la fois. C'est plutôt cool. Moi, du coup, j'ai pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 personnages à broder d'un coup. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, je suis trop contente. J'adore. Je suis fan. Je suis trop contente. Donc, bah, écoutez, moi, je vais pouvoir ranger tout ça dans mon classé, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, de toute façon, je referai une vidéo quand je recevrai le numéro 12, 13, 14, 15. Au niveau des numéros, des. Je crois qu'il y en a 100. Combien? 100. 110, un truc. Enfin, aux alentours de 110. C'est pas 110, mais aux alentours de 110, je crois. Numéro. Okay, j'ai le temps. Hein. J'ai le temps. C'est la première fois que je m'abonne à un truc comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez. Hein. Vous résiliez, voilà, sur le site et il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est top. Mais bon, le tableau des princesses, là, je ne sais pas le combientième que c'est, mais je l'adore. Donc, bon, on verra bien. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!